Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce live redécouverte sur The Iron Horse qui vient de sortir en 1.0. Salut Alastre, bienvenue sur le live, j'espère que ça va bien. Le jeu devait sortir à 16h et ils ont eu des merdes apparemment avec la release via Steam. Du coup, on a un petit peu de retard, mais ça y est, il est là. On est bien sur la 1.0. Salut Mazamara, bienvenue sur le live. Donc Iron Horse, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de tactique, gestion de mercenaires, qui était sorti en Early Access il y a un peu plus d'un an maintenant. J'avais fait une campagne dessus quand il avait été vraiment sorti en 0.0.0.1, donc il y a un an, c'était en août 2022. Le jeu était déjà très bon, mais il manquait un petit peu d'équilibrage et il y avait une dizaine d'heures de contenu en gros. Donc ça y est, il a été release, il y a plein de choses qui se sont ajoutées. Donc quand on parle gestion de mercenaires, on pense tout de suite à du Battle Brother, hein, bien sûr. Il y a certaines similitudes, mais il y a aussi pas mal de différences, notamment sur les combats qui sont tactiques, mais où nos personnages en fait vont se déplacer beaucoup plus librement que dans Battle Brother. Et le fait que le monde est un peu plus fantasy que Battle Brother, c'est-à-dire que notamment nos personnages vont avoir des classes dans Battle Brother, même s'il y a des orientations quand même. Les personnages, globalement, on peut en faire un peu ce qu'on veut selon ce qu'on a envie. Ici, on va vraiment avoir des classes différentes, Ranger, Guerrier, Paladin, etc. Enfin, tout un tas de classes d'ailleurs qui changent un petit peu des standards classiques du fantasy, on va voir ça. Et salut le Contamine, bienvenue sur le live, t'attendais cette presse, et bah écoute. J'espère que le jeu est pas bien. Tu m'as déjà fait acheter USC, ton banquier va encore râler. Salut Squash, Ruff, bienvenue sur le live. Donc bah justement, alors le jeu coûte 25 euros, mais à l'astre, si jamais tu le trouves bien et que tu veux l'acheter, avec le lien partenaire, il y a 10% de réduction pour la release là. Donc on peut l'avoir pour globalement 22 euros. Et je pense que pour le coup, il les vaut. Alors, on va tout de suite attaquer un peu de gameplay. Alors, il y a ma vieille campagne qui traîne, mais elle a plus trop de sens aujourd'hui, donc je vais en lancer une nouvelle. Alors, le jeu est en anglais, hein, je n'ai pas précisé, mais pour l'instant, il n'y a que de l'anglais et il n'y a pas d'annonce qui sera traduit, même si c'est du Humble Game, donc on n'est pas à l'abri que d'autres langues sortent. Salut Gaelden, bienvenue sur le live. Après, c'est de l'anglais, bon, comme bah, du Battle Brother, hein, avec pas mal de textes sur les événements, etc. Mais on peut prendre le temps de lire tranquillement. Donc si vous êtes à peu près à l'aise avec l'anglais, ça le fera. Voilà, c'est de l'anglais assez basique, il n'y a pas de. Enfin, j'ai fait des jeux où vraiment il fallait passer 10 minutes sur chaque phrase. Là, on est quand même sur de l'anglais qui est quand même très très accessible. Alors, on va appeler la compagnie du Cygne Noir, parce que pourquoi pas. Donc comme d'hab, on peut personnaliser notre drapeau. Un petit truc sympa là avec un animal. Bon, ça c'est un loup. Alors attendez, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a? Ah bah voilà, ça sera parfait. On va le mettre en fond noir, on peut. Non, ça c'est le background, la couleur. Voilà, comme ça on est pas mal là. On va être sœur, oui, pas de soucis là-dessus. Alors on a la possibilité de démarrer vraiment un jeu de base. Ça c'était un truc qui était demandé dans l'early parce que le prologue et le tutoriel est très très long. Mais on peut choisir démarrer du début, soit on peut skipper la mission tutoriel, soit on peut skipper carrément le prologue. Et ils ont rajouté une petite option pas mal où on peut démarrer avec une partie random ou alors nous-mêmes décider de recruter. On va partir en random, on va pas partir en Iron Man parce que je m'attends pas à des crashs, mais on sait jamais. Et on va prendre le fait que nos personnages vont vieillir et donc décider de partir à partir d'un certain moment. C'est pas du Disco Elysium ou du Vagrus, non, en termes d'anglais, non, clairement pas. Il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, en difficulté, pareil, pour l'instant, on reprend un peu le jeu en cours, donc on va partir sur du Battle Hardened. On va démarrer avec 1000, un nombre normal d'ennemis, les ennemis ont une quantité de santé et de puissance modérée, et on va avoir des modifiers de donjon tous les 50 tours. Ok, c'est parti. Donc vous pouvez avoir soit vraiment le truc vraiment pépouze, soit le truc un petit peu plus costaud,
Ou alors du custom, hein. Ça c'est assez classique. Tu veux un combattant avec les pieds. Ok, très bien. Alors, je vais vous passer l'intro, mais en gros, l'histoire du jeu, c'est que il y a eu dans le temps tout se passait bien, et un jour il y a eu une catastrophe qui fait que maintenant, toutes les à peu près toutes les dizaines d'années, 3, 30, 30, 40 décennies, il y a un événement qui s'appelle The Scourge, la malédiction, qui fait qu'il y a un dragon qui arrive de nulle part et qui détruit des choses aléatoirement et qui en plus en profite pour corrompre les êtres humains, qui sont du coup nommés, enfin qui sont connus comme les Blighted, qui sont en gros globalement des espèces de zombies un peu déformés. Battle Bro version Kung Fu, ça serait sympa. Alors oui, le type style martial, bah ok, bah, si j'en ai un moine, je te le mettrai. Et donc du coup, ça fait plusieurs centaines d'années que ça dure. Il y a même un ordre, le Vanguard Order, qui s'est monté pour essayer de combattre la malédiction du dragon. Mais on n'a jamais réussi à trouver de solution, donc c'est devenu un peu un truc qui arrivait, voilà, et, comme les orages, les tempêtes et autres, et on peut pas y faire grand-chose. De notre côté, on avait une compagnie mercenaire, on avait une mission à faire, qui était récupérer un artefact dans une caverne, qu'on a réussi, c'était en gros le tutoriel. Et malheureusement, on a été trahi une fois qu'on était sur le chemin du retour. L'un de nos copains, là, des personnes avec qui on travaillait dans notre compagnie, hein, des mercenaires, nous a trahis en nous faisant tomber en embuscade pour la vraie compagnie de mercenaires pour laquelle ils travaillaient apparemment. Ils nous ont attaqué, défoncé, volé l'artefact, et du coup, ils se sont même permis d'aller le filer à notre place, à notre commanditaire, pour récupérer la thune. Et nous, du coup, on arrive un petit peu en lambeaux dans la ville de notre commanditaire. On se remonte un petit peu en faisant 2-3 missions pour le commandant local, et ça, c'est le prologue. Maintenant, là, vu qu'on a passé tout ça, on va arriver directement avec une équipe à peu près fonctionnelle, nos coffres pleins et l'envie de retrouver le traître et ses compatriotes pour se venger. Ah, désolé Mazamara pour le spoil du jeu du soir, mais bon, j'avoue que j'ai vu passer l'offre, enfin Gamesplanet nous a contacté pour l'offre, pour nous confirmer qu'ils pouvaient se permettre ça. Parce que pour spoiler, c'est eux qui nous ont fourni les clés pour le jeu également. Et du coup, bah voilà, j'ai envoyé l'offre parce que c'était vraiment intéressant quoi. Et c'est 25%, alors c'est pas 25%, là on parle de For the Kings 2 qui va être en live ce soir par Gaelden et Morgan qui vont faire du multi dessus. Et donc on a une offre Gamesplanet spéciale de 25% de réduction pour The Iron Horse, que je suis en train de jouer présentement. On a 10% de réduction, ce qui est déjà pas mal. Alors, du coup, on arrive à Andilon et on commence à papoter. Donc Alaric et Euric, c'est les deux survivants de notre compagnie de base. Donc Alaric, c'est plus ou moins notre gestionnaire, on peut pas vraiment le jouer, c'est notre conseiller. Par contre Euric, c'est un combattant qui va être dans notre groupe de base. Et son neveu était avec nous dans la compagnie d'origine et il a survécu, on sait qu'il a survécu, mais visiblement il a été enlevé par le traître, ou en tout cas il a disparu plus ou moins à ce moment-là, donc du multi ça en dit long. Ah Squash, je sais que t'aimes pas le multi. Bah, For the King pour le coup c'est un jeu qui prend pas mal de son intérêt en multi. Autant des jeux comme USC ça peut se discuter, même si c'est bien fun en multi, quoi que tu puisses en penser. Autant For the King, bon, c'est plutôt du multi. Donc en gros, ce qu'on va apprendre, c'est que Alaric a un petit peu fait des recherches, il s'est renseigné dans la ville et visiblement la compagnie mercenaire qui nous a trahi, enfin qui nous a attaqué, s'appelle le Black Skull, donc le crâne noir. Et ils viennent à peine de partir. Toc. Donc pour l'instant, on peut partir du principe que leurs ressources et leurs forces sont bien au-delà de la nôtre, surtout qu'on s'est un petit peu fait péter la tronche.
Alaric Morissette. J'ai pas cette rêve Gaëlden. Je sais pas si je suis vieux, mais bon, j'avais compris squash, mais que le jeu de mots avec Andilon quand même. Je suis pas complètement épuisé. Mais c'était aussi négatif envers le multi. Donc visiblement, donc Keldwin c'était notre commanditaire d'origine. Visiblement ils se sont séparés après avoir récupéré la récompense. La récompense qui était suffisamment importante normalement pour que la compagnie puisse partir à la retraite. Hein. Je suis peut-être pas assez vieux, Mazamara, ou si c'est une référence de musique ou autre, j'en ai zéro. Donc du coup, ça explique aussi un peu ça. Alors, Diamond, il nous a toujours parlé de la ville de Rheinelheim, donc c'est possible qu'il soit parti par là pour pouvoir pour passer ses vieux jours, donc c'est juste à côté. Ça pourrait être un endroit où démarrer. Et on va lui demander s'il a eu des nouvelles de son neveu. Je crains que non. Je ne peux qu'espérer que le garçon s'est échappé. Il a des ressources. Et ça pourrait même être mieux qu'il quitte la vie de mercenaire après tout, hein. On ne sait jamais. Enfin, c'est pas une vie forcément très simple. Alors, nous avons notre destination. On va peut-être vouloir prendre un ou deux contrats sur notre chemin. Après tout, hein, on aura toujours besoin de l'argent. Donc, on va voir la mission principale, le scénario principal, hein, qui est la quête, qui est le chemin de la vengeance, qu'on a beaucoup de temps pour faire. Normalement, voilà, 2999 jours. 24 ans. Donc c'est à peu près le temps de jeu qu'on va pouvoir se permettre. Après, on peut tout à fait la rusher si on le souhaite, ou l'ignorer complètement. Voilà. Bon, la campagne expire, c'est pas, on peut tout à fait se dire, hop, on laisse tomber, on fait nos contrats, on gère notre compagnie, il n'y a pas de problème. C'est un peu la crise de fin de game de Battle Brothers, quoi. C'est plus RPG que Battle Brothers. Bah, il y a plus d'histoire que dans Battle Brothers. Il y a une trame principale, on va dire. Alors que dans Battle Brothers, c'est vraiment t'es balancé à poil et puis il n'y a pas vraiment de trame, de scénario. Là, il y a un scénario, mais comme je disais, c'est vraiment une trame. On peut s'en foutre, quoi. Alors, du coup, on va regarder un peu ce qu'on a eu comme personnage aléatoire. Donc, on a Euric. Alors, on va aller dans la ville parce qu'on aura plus de possibilités. Donc, on est à la ville d'Andidon, hein, ils nous aiment bien vu qu'on a déjà fait quelques missions pour eux. Donc, vous voyez qu'il y a tout un tas d'infos, hein, il y a des maisons nobles pareil qui gèrent. Ici, on a un ruleur pour la ville, un endroit où est la ville, la religion, la culture, ce qu'ils vendent le plus. Ils sont connus pour leur lutte et on peut trouver ces classes-là relativement facilement dans la ville. Donc, des fois, il va y avoir des événements sur les villes qui vont changer un peu tout ça. C'est parti. Il y a trois quêtes. Je crois que c'est trois quêtes ou une quête de niveau 3. Non, je crois que c'est trois quêtes, ça. On ira voir après. Maintenant qu'on est dans la ville, voilà. On va aller voir un petit peu nos personnages. Donc du coup. Lui, c'est notre mec de base. Il a 65 de loyauté. Il a joint 1124 jours. Niveau 4. Donc maintenant il y a un système de job qu'on va pouvoir assigner à nos personnages, mais pour l'instant ils sont tous verrouillés. Il va falloir les trouver des informations en explorant le monde pour pouvoir leur donner des jobs. Ça c'est une nouveauté. Il est bien reposé. Nos personnages vont se fatiguer au fur et à mesure des combats. Il faudra régulièrement les reposer. Pour l'instant ils sont à peu près bien avec lui, mais pas plus que ça. Et lui, du coup, on est sur un contrat qui n'a pas de fin. C'est vraiment le personnage avec qui on va rester. On peut le renommer, on peut quand même le renommer s'il vous plaît. Et donc lui, c'est un lancier de feu. Alors je sais plus comment s'appellent les classes. Tac tac tac. On en voit ses attributs, on voit ses habiletés. Alors l'interface a un peu changé, voilà, c'est un pyrolanceur, c'est ça. Donc un lancier de feu.
Ensuite, donc ça c'est le mec de base. On a un Stormcaller. Donc Stormcaller, c'est plutôt le type qui fait de la magie de foudre. Donc on va pouvoir choisir un certain nombre d'habiletés. On va devoir débloquer les habiletés, ensuite les mettre à jour et après pouvoir les choisir pour les utiliser. Donc lui, niveau 4, il a le droit d'en prendre 3. Les autres là sont lock. Donc il y a le petit truc, donc je pourrais pas désactiver celle-là et puis partir sur une autre. Et au niveau 2, on a 2 habiletés. Très bien. Donc lui, il a une volonté de 40. Alors pendant mes tests, j'ai réussi à choper un mec. Dès le début là en random avec 15 de loyauté parce qu'il avait il était c'était un traître et un mec qui aimait faire des coups dans le dos. Du coup il avait des vieux malus de loyauté. Donc lui il est quoi? Coordonnées, 10 de précision, il est plutôt dur. Donc il a pas vraiment de sympathie et d'empathie dans les situations difficiles et il est même parfois cruel. Et il est antisocial. Donc il deviendra pote avec les gens plus lentement, très bien. Donc tout ça, ça va jouer sur les choix qu'on va avoir dans les dialogues, dans les choix des quêtes, etc. Et ils peuvent gagner de loyauté ou devenir pote, ou justement pas du tout pote avec les autres, selon ses traits. Exactement, et il perd son sang-froid. Alors là on a une Valkyrie. Donc les Valkyries c'est plutôt de la frontline, elles sont là pour protéger. Taunt tous les ennemis en augmentant sa défense, et là 50% de puissance, un buff et un de mouvement pour deux tours, et en plus on donne du moral. Et on a un petit, on a déjà cette amélioration là qui fait que en plus on donne 10% de critique. Ok, très bien. Alors elle est du genre leaders elle, donc elle donne 5 de moral au début du combat. Alors elle est merciful, c'est l'inverse de Philon là. Et par contre, elle est pas fan de faire les corvées. Très bien. Ici, on a un baladin. Enfin, un barde, on dirait, mais ça se dit, non, un truc baladin, un truc du genre, là. Si, si, j'ai compris, antisocial, je connais la chanson, quand même, Gaelden. J'ai des limites à ma méconnaissance. C'est comme l'international. Je connais l'international. Ils sont pas classés de base. Ah bah si, Amine, c'est ça. Là, lui, c'est un baladin. Là, c'est un Stormcaller. Elle, c'est une Valkyrie. On va les renommer après, vous me direz ce que vous voulez. Donc lui, il fait quoi? Il peut frapper un mec avec son lutte. Ok, il le stun. Très très bien. Et là, il fait quoi? On vise. Donc ça, c'est une nouvelle classe. Je l'avais pas dans le... J'avais pas dans la... Dans l'early. Donc il est capable d'endormir les occupants. Ah cool, pendant 5 tours quand même. Ah non, oui c'est vrai qu'il y a un système, il faut qu'il se concentre pendant 5 tours, donc il y a un système de tours dans le jeu. Et après il endort les gens pendant 2 rounds, les rounds sont plus longs que les tours. Et on a déjà un petit bonus qui fait que il dorme un tour de plus. Ok, alors je sais pas si du coup c'est compté, je pense que c'est compté. Je peux l'enlever pour voir? Non, je peux pas l'enlever. Ok, rigolo, donc lui il est pacifiste. Moins de puissance, plus de mending. Donc le mending, c'est ce qui permet d'améliorer le soin. Bon, c'est plutôt pas mal vu que ça m'a l'air d'être une classe de buff, lui. Il est ouvert, très bien. Et il est hésitant. Donc il joue toujours à la fin dans le premier round de combat. Ah, ça c'est pas cool ça. Troubadour, ouais, Troubadour c'est pas mal. Je valide Squash. Et enfin, on a une chasseresse, donc à l'arc, classique. Elle a quoi? Le feu rapide, 2 flèches sur un ennemi. Si jamais la cible meurt avec le premier tir, le second touche l'ennemi le plus proche. Ça, c'est cool. Et elle peut immobiliser un ennemi sur place avec son bola, là. Ok, parfait. Elle a un instinct de survie, 15 de power et 10 d'évasion quand elle est à 50% de vie. Ok, c'est une quard. Et c'est une loup solitaire. Ok, très bien. Bon, alors du coup, je pense que elle, ça va être Squash. Hein. La question se pose pas.
Et dites-moi si vous voulez, qui vous voulez dans les autres classes? Alors du coup, il n'y a pas de moine pour toi, Aminou. Mais bon, même si tu, si entre deux réunions, t'arrives à nous dire, et n'hésite pas à dire. Et si Mazamara, l'astre ou Squash, je voulais quelqu'un, un bouffon, bah il y a le baladin du coup. C'est parti. Hop. Alors, Gaelden. Après, on peut se réserver en attendant d'en avoir, hein, Aminou. Hein. Alors, Alas, désolé, l'archer, c'est Squash. C'est déjà Squash. Par contre, on peut mettre la Valkyrie qui tank, donc pour Mazamara. Mazamara. Et elle est classe, la Valkyrie. Hein. Franchement, elle est classe. Bon, pour l'instant, elle a une fourche et pas de bouclier, donc on imagine qu'elle a pas cette tronche, mais ça viendra. Et bah du coup, je vais te donner le Stormcaller à l'astre. Hop là. Je me suis pas gouré à l'astre, c'est bien ça. Tu seras un mage de foudre. Un petit peu antisocial et cruel. Après tout, pour électrocuter ses ennemis, hein. Faut pas être un gentil. Alors, bon, je pense qu'à 5, on est pas mal. On va laisser tomber le recrutement. On n'a pas besoin de leur prendre un... ni de les reposer, ni de leur acheter une petite bière. Encore que. On peut leur claquer une petite bière. Allez, une petite bière. On gagne 2 de loyauté sur tout le monde. Donc si on leur file trop de bière, au bout d'un moment, ils peuvent avoir des problèmes. Hein. Et du coup, c'est ça. On a 3 quêtes. Alors. On a un convoi à escorter jusqu'à Tyr. On a un forgeron, pardon, local là, qui a besoin de fer rare. Et on a un civil qui a perdu quelque chose. Alors ça, c'est le genre de quête qui marche assez bien en général dans Battle Brother. Donc on va tester celle-là. On aurait 540 de renommée, 550 de thunes, c'est parti. Alors, on est en train de papoter tranquillement à la taverne et il y a quelqu'un qui vient nous interrompre. Alors, désolé si je vous interromps pendant quelque chose d'important, mais j'étais informé que vous pourriez peut-être m'aider. De quoi vous avez besoin? Alors, visiblement, il a l'air soulagé qu'on accepte au moins de l'écouter, même pas de l'aider. Alors, ma fille s'est faufilée en dehors de la maison la semaine dernière et elle est allée explorer une caverne proche. Ok, elle a été effrayée par une créature et elle s'est enfuie en panique. Donc elle a rien eu à part des fringues sales, mais elle a perdu l'anneau qu'elle avait avec elle. Très bien. Donc c'était une possession familiale qui appartenait à sa femme. Donc c'est une des seules connexions que la fille avait avec sa maman. Et du coup elle est très triste de l'avoir perdue, et lui aussi. Et donc du coup il veut qu'on le récupère, j'imagine. Alors, un anneau vous avez dit? Ce n'est pas quelque chose de facile à trouver. Vous avez parlé d'un paiement? N'escorte pas de convoi. Ah bah les convois sur Battle Brother c'est mort, ouais. C'est la mort. Vous pourriez pas aller chercher vous-même, ou alors à quoi on pourrait s'attendre? On va parler paiement. 550. Ok, on va prendre le contrat. Est-ce que vous pourriez me prêter votre carte? Il nous montre la caverne, parfait. Alors est-ce qu'à tout hasard, ça serait pas sur la route? Est-ce qu'on peut voir la carte ici ou est-ce qu'il faut sortir de la ville? Je crois qu'il faut sortir de la ville. Ouais, faut sortir de la ville. C'est tout là-bas. Ok. C'est pas sur le chemin de tir à tout hasard? Ou c'est tir? Ta-ta, ta-ta-ta-ta-ta, tir. Tir, c'est là. Ok, bon, c'est. C'est pas vraiment sur le chemin de tir. Ok, voyons. Les autres quêtes. Alors le Black Miss, hein, qu'est-ce qu'il veut?
Donc lui, on est carrément allé le voir du coup parce qu'il nous avait envoyé un message. Il a besoin qu'une tâche soit accomplie. C'est pas particulièrement dangereux, mais il peut pas quitter sa forge. Alors, avec toutes les demandes pour des armes et des armures, je suis en dèche de fer noir. D'acier noir, iron. Non, c'est fer. C'est style acier, pardon. Alors, c'est plus costaud et plus rare que la plupart. Et du coup, il cherche quelqu'un pour aller l'extraire de la mine. Donc il y aura peut-être des créatures sauvages, voire pire. Mais il peut nous récompenser avec des armes. Allez, on va dire ok. Du coup, est-ce qu'on peut s'équiper? Donc ici, ils sont spécialisés en lutte. Actuellement, on a un lutte de paysan pour Gaelden. 4% de précision et 1 de vitesse. Et on pourrait prendre un lutte avec un coup court. J'imagine le coup, c'est le coup du lutte, ça doit être l'espèce de poignée là. Pour 210 balles. 210 balles, c'est acceptable, j'ai envie de dire. Une armure. 4 d'armure. 1 de move, 1 de speed. Pourrait être pas mal, la Valkyrie elle a quoi? 10 d'armure, ok. Et lui j'imagine qu'il est bien équipé, 15 d'armure, ouais. Le bon vieux Liseur Lamelaire. Et salut Karz! C'est un sacré bonjour, dis-moi Karz. J'imagine que tu es de bonne humeur et que tu vas bien du coup, c'est parfait. La fourche, c'est la même. Alors elle a déjà moins 2 en speed rien qu'avec son équipement quoi. J'ai bien envie de prendre ça. Et du coup, est-ce que je peux choisir de le vendre, de l'équiper? Non, si je fais ça, je le revends. Ok, il faut qu'on quitte. On va reprendre un toc. Gaelden, prends ça. 50, tu passes de 47 à 55 quand même. Pouvoir assommer des gens en folie. Et salut Brodav, bienvenue sur le live, hein, j'espère que ça va bien. Ça va, mais tu as surtout faim. Bah écoute, Karz, il faut manger. Il faut manger si tu as faim. Bon, il n'y a pas trop d'autres équipements à part l'armure qui coûte 100 balles, on pourrait la mettre à qui? Ça, alors je vais vérifier, mais il me semble que le Bard c'était quand même plutôt corps à corps comme classe, hein. Enfin, à part sa Lulabille, hein. Quoique c'est adjacent de Karjek. Non, on va acheter une armure. On va équiper Gaelden, on veut pas qu'il meure. Voilà. On lui achète une armure et un magnifique luth. C'est parti. C'est parti. Et que des fruits au bureau. Oh là là, les salauds. Un petit peu de saucisson, quoi, pour accompagner les fruits, c'est un minimum. Ça raconte quoi ce jeu? Alors c'est The Iron House. Ah parfait, elles sont pile bien tombées les quêtes. C'est un jeu de gestion de mercenaires qui vient de sortir. J'avais fait de le. Enfin qui vient de sortir en 1.0. J'avais couvert l'Early Access il y a un an environ. Et là il est sorti en 1.0. Donc j'en profite. Pour faire un petit live de lancement dessus. Alors, du coup. Donc on va vérifier qu'il n'y a pas de changement. Donc là, ça c'est une quête de type donjon. Il va falloir qu'on avance dans la caverne et qu'on trouve ce qu'on est venu chercher. Donc on va devoir faire une compagnie, aller dans la caverne. On peut avec des provisions, etc. On pourra éventuellement camper, avoir des événements plus ou moins négatifs ou positifs, etc. Vous allez voir comment ça se passe. C'est un Battle Brother-like. Alors comme je disais, quand on parle de gestion de mercenaires, on pense direct à Battle Brother, mais c'est enfin, il y a des similarités, il y a des différences. Notamment, les différences principales, c'est qu'il y a des classes pour les personnages, de vraies classes qui guident leurs compétences, etc. Et il y a une trame scénarisée aussi. Alors, on peut choisir 5 personnages. Donc, ils peuvent être soit bien reposés, soit disponibles, soit fatigués, soit blessés, soit pas disponibles. Ok, jusqu'ici pas de soucis. Tout
tous nos personnages sont disponibles et on peut en prendre 5, donc on va prendre tout le monde. Alors, donc, la récompense est 550 pièces, 140 de renom. On sait qu'on va rencontrer des Brightman et des Wilder. Donc visiblement, on va rencontrer des créatures modifiées par la malédiction. Noir de fer. Ah, ce serait quelque chose qui existe, la Black Iron. Ok, possible. Je connais pas, mais pourquoi pas. Plus deux bestioles qu'on connaît pas. Et on va avoir des modifications. Donc, on va avoir trois événements aléatoires qui vont être révélés, mais par contre, la caverne est un peu instable, donc il pourrait y avoir des chemins bloqués. Très bien. Voyons nos provisions. Donc, avant d'entrer dans un donjon, on va pouvoir acheter des provisions. Ça, c'est un peu à la Darkest Donjon, hein. Donc, les provisions qui ne sont pas utilisées à la fin du donjon sont revendues 50% de leur coût, et éventuellement, on pourra améliorer ce coût plus tard. Alors, des antidotes. Tu veux ouvrir un bar clandestin, Karz. Est-ce qu'il y a besoin qu'il soit clandestin? Même à ton boulot, tu le mets juste dehors, dans le couloir devant le boulot. Du coup, des potions de soins, 200 de vie. On a combien de vie avec un perso de base? 445, ok. Avec un perso un peu moins élevé, 300. 400 avec le tank, ok. Donc c'est, en gros, c'est remonté à 1000 life. Des tools pour pouvoir gérer les pièges et les différents trucs sur le chemin. Alors vu qu'on a du Kavin, il va falloir qu'on en prenne. Le bandage stabilise les blessures, arrête le saignement, restaure 50 de vie et restaure du moral. C'est vrai qu'il y avait du moral dans ce jeu aussi. Et l'idole, ça fait quoi? On peut le mettre sur un hôtel. Ok, bon, pour l'instant on va pas partir là-dessus. Je pense qu'on va prendre... Alors ouais, c'est ça, c'est bien ce qui me semblait, ça se stack pas, donc on a 5 emplacements et démerde-toi quoi. On va prendre ça et peut-être en garder un de libre. Et ça, c'est l'argent qu'on va perdre ou si on meurt ou si on s'enfuit. Alors pourquoi? Pourquoi je mettrais de l'argent là-dedans? Je suis pas sûr de. On va laisser ça comme ça. On va laisser un emplacement, je pense. Allez, c'est parti. Ça devrait pas être trop compliqué, on va dire, c'est notre premier truc. Donc voilà comment ça se présente, les donjons. On va pouvoir se balader à différents endroits. Là où il y a des ronds, j'imagine que c'est qu'il y a des événements. Là, il y a potentiellement un objectif de quête. Alors la légende, voilà. Des événements, notre objectif, est-ce qu'on sait où est notre objectif? Pour le moment non. Ici, il y a un truc qui est bloqué pour aller là-bas. Ici c'est bloqué également. Donc le fait qu'on ne voit pas, qu'on voit rien sur ces caisses, ça veut pas dire qu'il n'y a rien. C'est peut-être juste que on l'a pas scouté. C'est possible à l'astre, peut-être que je prends des sous avec moi s'il y a des il y a peut-être tombé sur un marchand ou quelqu'un qu'on pourrait aider. Alors on sait que visiblement il y a 3 rencontres de combat, 44 tuiles à explorer, on a nos 100 trucs. Et donc on a nos modifieurs, donc le Kavin et l'Advanced Scouting. Et donc là on a notre petit truc, à chaque fois qu'on va se déplacer, qu'on va attendre sur une case, le sablier va avancer et au bout de 48, on aura un nouvel événement, potentiellement positif mais de mémoire c'était plutôt négatif, qui va apparaître. On va aller là, hop, on va aller ici, événement. Alors, un bon endroit pour camper, c'est un peu tôt. Par contre là on a une bonne ligne droite, donc on peut faire un petit scouting. Ça nous prend 3 de scouter. Donc ici on va avoir un combat. Un Battle Bro qui est un enfant avec Darkest Donjon.
C'est un peu ça, la partie donjon, c'est un peu ça, ouais. Mais y a pas que des combats en donjon, hein. Alors, phase de déploiement, on peut redéployer nos personnages sur les petites flèches, ok. Jusqu'ici, rien de nouveau. On peut cliquer sur un ennemi pour voir son mouvement et en rouge là où il attaque. Très très bien. Ah non, faut faire tab. Ok, on va voir. Très bien. Alors, ennemi là, ok, c'est tab, faut que j'appuie sur tab. Donc, il peut se déplacer sur toute cette zone et attaquer sur toute cette zone. Ah oui, ils sont énervés. Lui, il brille. Brightman Hunter, Corrupted Bratman, Nullbase Destructeur. Notre déploiement est un peu à chier, très clairement. Qui va jouer en premier? C'est Squash qui va jouer en premier. Ensuite, c'est le Corrupted. Ensuite, c'est Gaelden. Ensuite, c'est le Brightman. On pourrait mettre genre Gaelden là pour aller assommer lui, par exemple. Mettre Talastre devant, ça me paraît pas une idée exceptionnelle. On va plutôt mettre Mazamara devant. Et là, ça fait penser à Wartell, mais ce jeu est fou. Alors franchement, déjà en early, il était vraiment très très bon. Et je l'ai laissé de côté parce que je voulais le laisser sortir. Mais ouais, normalement, il y a vraiment un gros gros potentiel. Ah, Mazamara, elle commence avec un bouclier de base qui absorbe 87 de dommages, ça c'est cool. Ah oui, t'as raison, le Bard joue en dernier au premier tour. Alors pourquoi il est là? Pourquoi il est à cet endroit-là, bizarre? T'as raison, on va jouer la sécurité. Alors il a quand même une meilleure armure, donc il va tanker un peu mieux que le Stormmancer, on va le mettre par là. Tac tac tac, ok. Donc on peut voir hein, nos ennemis. Ils vont avoir, alors il me semblait qu'il y avait un moyen de les lock, mais peut-être quand on aura lancé le combat. Ils vont avoir une résistance, des vulnérabilités, des immunités, on pourra, ils ont tout un tas de compétences, etc. qu'on apprendra. Ah oui, on peut le voir là, ok. On apprendra au fur et à mesure. On peut voir hein, le codex, il y a un codex maintenant. Fait des dommages sombres. Alors il a Corrupting Sweep. Il fait des dommages sur une cible adjacente et il met un. Ah oui, il met un terrain corrompu. Attends, il y a 92 ennemis à découvrir. Alors ce qui est cool, c'est que dès qu'on les rencontre, on découvre. Ça par contre, c'est bien. Bah, je pense que c'est son initiative normale, effectivement, sans doute, Mazamara. Mais du coup, ça va être compliqué de s'en souvenir. Hein. Après, c'est que pendant le premier combat, donc premier tour du combat, on va voir. C'est parti. Alors, on est parti pour le combat. Donc le premier qui joue, c'est Squash. Donc comment se passent les combats? On a moyen de se déplacer classique hein, dans la zone verte ou de sprinter, mais du coup on n'attaque pas dans la zone grise. On a un moral, la puissance, one moral, under 25. Ok, donc si jamais le moral descend en dessous de 25, il peut passer son tour et sinon. S'il est au-dessus de 75, il peut avoir des bonus. Du coup, actuellement, on a le Quick Shot. Et on peut tirer sur pas mal de monde. Et le Rapid Fire... Ah, Rapid Fire, on n'est pas à portée. Alors, Cancel. Il faudrait que je me mette ici, par exemple. Et je peux faire un rapid fire. Alors tant qu'on n'a pas attaqué, on peut toujours changer on peut toujours changer nos mouvements. On va y aller. 100% de chance de toucher, c'est parti. Bim, bim. Voilà. Lui je l'aime pas là, il brille là, hein. C'est désagréable. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Corrupted Brightman là. Alors, il a marqué tous les ennemis isolés pour 3 rounds. On n'avait personne d'isolé, ok, parfait, donc c'est coup de bol du coup. Donc non, bah visiblement le Bard joue tout de suite. Et salut Akatsuki, bienvenue sur le live.
Ouais, bizarre du coup. Peut-être qu'il y a un petit bug. Bon, c'est le jeu vient juste de sortir, hein, donc. On va aller assommer celui-là du coup. Hop, allez. Bim. On la stun. Lui, il a aussi fait le Hunter Call, ce qui du coup ne sert à rien. On va se déplacer du coup là avec lui. Commencer à shooter ça. Alors, on a toujours une attaque de base, hein. En fait, alors j'ai pas précisé, mais c'est vrai que ces compétences-là, il y a des points là. Et en fait, les points, c'est le nombre de fois où on peut l'utiliser par donjon. Pas par combat. Et quand on va se reposer, on va pouvoir éventuellement les re-remplir un petit peu. Il est toujours aussi beau. Tout à fait, je suis bien d'accord, Akatsuki. Du coup, non, je pense que ce que je vais changer du coup. Je vais endo mon mouvement, je vais plutôt venir ici, on va se focus sur lui avec avec ces deux là. Donc on a des malus hein, quand on essaie de taper des ennemis qui sont à couvert. On a des réductions de dégâts, sauf si on est collé au couvert. Ici typiquement, on est collé au couvert qui se trouve être Gaelden. Du coup, on peut attaquer. C'est parti. D'ailleurs, j'ai même pas. Ouais, il est résistant à tout, lui. Au feu, au froid, à la lumière, à l'ombre, à l'électricité. Il est résistant à tout. Alors, toi, du coup, t'as quoi? T'avais le buff et le taunt. C'est lui qui va jouer au prochain tour. Donc, on va aller le tanker avec Mazamara. Et ici. On va lui mettre un petit coup de lance. Et on lui a mis les flammes normalement. Ouais, il a traversé notre bouclier cet enfoiré. Allez, ici on cogne. Ils nous font mal, hein, mine de rien. Ok, on va tuer celui-là. Il laisse des flammes derrière lui. Si tu comptes faire un let's play en live, faire attention, la fenêtre du chat déborde un peu sur les explications des compétences. Ah oui, j'ai pas fait attention à ça, effectivement. Mais là, je fais une découverte en live, je ferai peut-être un let's play, on verra. Comme je disais sur l'épisode de Shadow Gambit qui sort demain, ça dépendra un petit peu des jeux qui sortent. Il y a beaucoup plus de contenu que lorsque j'ai fait la preview. Ah oui, là, c'est vraiment la 1.0 et il y a eu plein de classes qui ont été rajoutées. Plein de quality of life, enfin bref, globalement il est beaucoup mieux. Hein. Il est largement plus avancé. Donc il est toujours stun, on avait stun pour deux rounds, ça c'est quand même cool. Alors là du coup on est sur un saloperie de petits puits corrompus, ça nous fait quoi? On prend 15 de dommages de morale par tour. Et par contre les ennemis sont soignés de 10%, d'accord, mais si je bouge. Non, je peux me déplacer, coller à lui, c'est ouais, si je m'en fais, si je m'en vais, je prends une attaque d'opportunité. Donc du coup, on va aller se mettre derrière lui. Et on va attaquer. Alors là, normalement, si je me mets là, je peux faire un critique parce qu'on va le cerner. Un peu à la Urtuk. Le problème, c'est que... c'est que je vais me mettre sur le puits. Après, si le combat se termine vite, ça peut être rentable. Ah merde, il a mis ça à mi-fin à mon tour. Ça, par contre, je l'ai pas vu venir, ça. Putain, il tape fort, hein. Allez, faut finir celui-là. On n'arrive pas à le terminer. Tac tac tac, déplaçons-nous parce qu'on a perdu beaucoup de morale. Oh non, j'ai raté, sérieux. Donc quand ils sont flanqués, on fait 15 de dommages en plus et on peut pas rater. Si on le repousse dans un élément de décor, ça le stun. Et du coup on a le bonus. Et après les habiter. Ok, bon, il faut le tuer là. Pas mort, mais sérieux. Je peux pas lui tirer dessus là, si.
Ok, très bien. Notre morale est trop bas, on n'arrive pas à le tuer. Allez, 66% de chance, il reste 2 PV là. À un moment, faut en finir. Merci, merci. Je la sens bien cette équipe. Elle est bien partie. Alors, on a gagné un truc pour restaurer du moral et un peu de fourrure de Brightman. Très bien. On peut tout prendre, on peut tout prendre. Tu n'aimes pas la DA de Shadow Gambit ou celle de ce jeu? Je pense que c'était de Shadow Gambit que tu parlais, Squash. Bon. On peut pas utiliser nos... Notre... Si on peut peut-être le faire, si on peut quand même le faire, on va claquer la potion. Voilà, vu qu'on a perdu 200 PV, ce sera fait. Alors, on arrive à côté d'une... Ok, c'est un objectif de quête. On va avoir besoin d'un petit peu de temps pour l'extraire. Alors on peut passer 4 tours à l'extraire ou alors utiliser notre outil. Mais du coup on l'aura plus si on veut passer un truc écroulé. Donc on va travailler dessus, je pense, à la main. Il en faut 3 hein, pour réussir. On est obligé plus ou moins d'aller par là du coup. Alors, il y a des traces sur le sol. C'est possible que quelque chose soit venu ici. Ça pourrait prendre un petit peu de temps, mais j'ai moyen de savoir où est-ce que ça va. 12 tours pour révéler un ennemi proche. Waouh! Allez, vas-y Gaelden, fais-toi plaisir. Ok, là-bas. Donc on sait qu'on a 3 combats, hein. Les goûts et les couleurs, tout à fait. Les DA, c'est vraiment une histoire de ressenti, hein. Alors, ok, on a rencontré quelqu'un qui visiblement est recouvert de sueur et de saleté. Et il a un sac avec des parchemins. Ce sera un cartographe. Alors, bienvenue, c'est la première fois que vous venez, hein. Je viens juste de terminer d'explorer cet endroit si vous êtes intéressé pour m'acheter une carte. Ah donc du coup effectivement on n'a pas assez d'argent pour acheter la carte. Donc là du coup on peut l'intimider pour le récupérer la carte, mais on voit que Eric va pas aimer. Alors la DA d'Urtuk, oui la DA d'Urtuk c'est limite du western spaghetti. Hein. Les mecs ils sont dans le sang, la sueur. La crasse avec les pustules et tout. Non, on va faire sans sa carte. On va juste aller voir là pour être sûr qu'il n'y a pas un objectif. On a gagné une clé. Ok, très bien. Peut-être qu'elle nous servira. Alors, on va falloir qu'on aille par là-bas, mais il va falloir qu'on campe un moment. Hein. Ah, un clé. Ah, bah parfait, on a une clé. Bah, allons-y, ouvrons le coffre. Alors, un parchemin de vitalité. A priori, on peut le mettre sur l'armure, requirements armure. Ça, je me souviens pas non plus. Donc, on peut améliorer nos équipements en mettant des parchemins dessus. Ça, c'est cool. Alors, ici, c'est fermé. Mais on pourrait éventuellement. Non, on peut pas éviter le combat. De toute façon, il faudra qu'on passe par la case de combat. On va se mettre ici. Donc, là, on va avoir un petit truc qui arrive. Alors. Ok, un truc positif, visiblement. Dungeon Modifier. Du coup, c'était un Dungeon Modifier Reprieve. Qui est censé être rouge. Mais c'est bizarre, ça m'a l'air positif, moi, en lisant. Est-ce qu'on campe? On n'a pas claqué de compétences et tout. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a de nouveau un Brightmare. Alors ça c'est un cub, c'est un petit. Ici on a un Welder malade, un Welder corrompu et un Welder doux, donc un petit aussi.
D'où? Non, il a 500 PV, ça doit être un ancien, un doux. Dommage de terre. Ah, il peut immobiliser une cible. Ça, c'est pas cool. C'est moins nap que Wartels, les positions initiales. Ouais, bah, ça de près, Wartels c'est quand même pas mal amélioré hein, sur les différentes prises, mais c'est vrai que des fois c'était un peu le bordel. Hein. Donc du coup on sait que le Bard visiblement joue effectivement en premier. Par contre, il y a lui qui joue qui va être hyper loin, donc je pense qu'on va aller s'occuper rapidement du bébé. En plus il est isolé de ses copains. Alastor Young, il pourrait lancer un petit conduit sur un qui serait rapproché. Toi, tu vas te mettre plus devant. Donc, on va jouer tac, tac, tac. Lui, ensuite elle qui va libérer la place. Ensuite lui. Ouais, ça me va plutôt bien. On va défoncer celui-là. Une biche. Ok, très bien. Elle a une bonne tronche de biche, effectivement. On va là. Je sais pas c'est quoi le petit 50% dessus là. Je pense que c'est peut-être une change de stun. L'autre il va jusqu'où? Jusque là, jusque là. Si on se positionne avec notre archer, on est safe. On met 1000 life. Parfait. Alors là, on a la possibilité de faire un lightning ou. Ah, on peut toucher les cibles adjacentes aussi avec lui. Si je vais là, je suis à portée de celui-là, donc c'est pas ouf. Et là, ils sont trop loin. Par contre, je peux attaquer avec ça. Avec 100% de chance, c'est parti. On va leur faire une petite attaque de zone. Ouf. Ah, et donc Elden, va falloir tanker plus, on t'a mis une armure hein. Non mais oh, ah merde, je suis trop loin. Du coup je vais commencer à aller par là-bas, parce qu'on va avoir besoin de moi là-bas je pense. Est-ce que ça vaut le coup de mettre un buff? Ouais, un petit buff de morale, en plus ça va pas faire de mal de lui re-soigner son moral. Parce qu'il était bientôt en dessous de la valeur voulue. Allez, touche-le. Voilà, parfait. Donc on a tué le petit bébé. On est fiers de nous. Alors le bard il a pris bien cher. On pourrait aller endormir ou stun celui-là. Donc on touche les deux cibles. Hein. J'ai l'impression qu'on l'a pas endormi là. C'est un échec. Espèce de monstre. Et bah écoute, contamine, pas de soucis. Dès que je trouve un moine, on recrute un moine, je te le mets. Ouais, donc là, on s'est fait défoncer parce que lui nous a. Finalement, il est pas stun. Hein. Allez, on cogne. Du coup ici on va pouvoir aller dans son dos. En plus on immobilise celui-là. Donc lui il est flanqué normalement maintenant. Il a le petit symbole de flanquement là. Oh! Le fumier m'a poussé dans le vide quoi. Ah la vache! Comme ça fait mal aux fesses. Lui on le tue même pas quoi. Le critique, ok bah alors là il prend bien cher Eric là. Faut aller finir celui-là là. Suffit les conneries un peu. Oh la vache. Ok, Eric il s'est fait dépouiller. Alors, les blessures ont une chance d'arriver quand un personnage est en dessous de 50% et arrive tout le temps quand un personnage tombe à 0. Donc on peut utiliser un bandage pour stabiliser la blessure et l'empêcher de devenir pire. Mais par contre ça peut s'infecter s'il continue de se battre. Ok, très bien.
Alors là, il va falloir qu'on taunt. Donc là... Ah putain. C'est une saloperie, quoi. Là, par contre, si je fais ça, ça touche tout le monde. Donc en gros, là, il a une jauge de bleed out. Si jamais on n'arrive pas à le soigner avant que son bleed out tombe à zéro, il meurt, tout simplement. Et salut Patatefeuze, bienvenue sur le live, la première fois que tu participes au chat, ça fait plaisir de te voir là. Et merci pour ta confiance. Alors là par contre, on n'est pas bien placé, il va falloir qu'on se pose par là. Est-ce qu'on peut tuer celui-ci? On peut tuer celui-ci. Il faut que toi là, tu relèves le copain là. Voilà. Ah la vache, il me refait tomber quoi. Du coup là il va jouer et il va mourir. L'échec quoi. On a direct perdu notre perso principal. C'est abusé. Ah il est immune en fait, c'est pour ça qu'il nous fait chier, il est immune au stun. Quelle saloperie. Ah ouais, la biche, elle déconne pas, hein. Ah oui, Mazamara, c'est vrai. Il me semblait bien que j'avais déjà vu ce pseudo. C'est bizarre qu'il pensait que c'était la première fois que tu intervenais sur le chat, par contre. Bah, Gaelden, non, je peux pas le pousser parce que j'ai rien pour le pousser. J'ai pas de compétences pour le pousser, malheureusement. Alors, c'est possible, ça, de perdre directement notre personnage? Ah ouais, on l'a plus. On l'a plus quoi. Est-ce qu'on a une charge? Une recharge? On a qu'une seule sauvegarde. Autosave. 5h55, c'est-à-dire juste là, à la fin du combat ou au début du combat? Vérifie. Où c'est long les chargements? À la fin du combat, donc on est... On est défoncé. Oh, on a récupéré son équipement. C'est trop gentil de leur part. On a récupéré son équipement quoi. Du coup Mazamara, tu vas prendre l'armure. Et Squash, non, Alastre, non, Gaelden, t'es quand même plutôt au contact, tu vas prendre ça. Alastre, tu vas prendre celle-là. Après le perso principal s'il existe c'est qu'il est fait pour mourir. Ouais, bah faut oui, on peut dire ça comme ça. Effectivement. C'est pas ça que je voulais faire, c'était ça. Donc lui, je vais utiliser le bandage. Voilà, pour au moins bander sa blessure. Alors le moral, c'est complètement le drame. Du coup on va utiliser ça. Ici il y a un hôtel mais du coup on n'a pas pris ce qu'il faut. Il y a un coffre, on va aller faire le coffre. Loot. Un parchemin de vitalité. Restons positifs, un homme au moins égale plus d'XP. Dans le principe on arrive à tuer les ennemis. Effectivement. Du coup ça on peut le mettre directement. Ah oui on peut le mettre directement. Donc ça consomme l'enchantement, mais oui, 50% de vie en plus, 50 de vie en plus, c'est pas dégueu. Hein. Plus de défense pour elle, j'aime bien l'idée. Plus de vie ici. Attends. Oui, enchanté, pardon. Il a cru que je voulais le réparer, mais non, pas tout de suite. À quand une campagne solo? Squash, t'es pas sortable. On va aller chercher ce coffre. Alors qu'est-ce qui se passe? Ah merde. Il y a une porte qui nous barre le passage. On a toujours notre clé. Oh, on a toujours notre clé. Ça c'est beau ça.
On va utiliser nos outils pour gérer ça. Ah, on peut carrément utiliser la magie. Bah allons-y. Et bim! Ah, la violence! Alors, on fouille. Oh non, c'est vide en plus. Il part très bien ce premier run, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, les morts marchent, très bien. Alors, on a trouvé un... On va utiliser notre outil cette fois. Et on a du coup les morts marchent. Les ennemis que l'on vient de vaincre sont réapparus. Alors une rencontre précédente est re-remplie avec des morts vivants. Parfait, ici sur la sortie, nickel. De toute façon ils étaient tous sur la sortie. On est obligé d'aller là. Alors non, on n'a pas besoin de révéler un ennemi proche, on sait que de toute façon il va être là l'ennemi. On va camper. Hein ? Donc pour camper, il vaut mieux se mettre dans un endroit où il y a le moins possible de chemin. Ils arrivent quand les vrais streamers ? Mais plus il y a de, en fait, plus il y a de chemin, l'endroit où vous campez, plus le risque de se faire attaquer est grand. Là on en a que 2 et on est déjà à 30%. 20% pour toutes les tuiles qui n'ont pas été visitées ou scoutées, 10% pour toutes les autres tuiles. Ok, donc si on scoutait là, on réduirait le risque d'attaque. Ah mais on peut pas scouter parce qu'il n'y a pas des ventes. Ok, c'est pas grave, on va camper. C'est parti. Alors, une fois qu'on a fait notre campement, on peut sélectionner des encens à brûler pour avoir différents bonus. Très bien. On peut également mettre des gens en lookout pour éviter, enfin pour réduire les chances de se faire surprendre, mais ils auront pas l'effet secondaire de l'encens. Ok, donc du coup on a 10 points d'encens à dépenser. Qu'est-ce qu'on a? Restore 25% de la santé, pas mal. Restore de la stamina, donc ça ça donne 4 ça restaure 4 charges aléatoires. Du moral, 15% de santé pour chaque bataille qu'on a terminée, donc ça ferait 30% du coup, par contre ça coûte 6. Salut Galios, bienvenue sur le live. Tout ça pour ramener du fer à un forgeron, t'imagines pas ce que seront les vraies quêtes. J'avoue que je m'attendais pas à autant de violence, hein. En vrai, je pense qu'on va prendre ça et le moral. Il nous reste 2, on a rien à 2, donc on va rien prendre d'autre. Et du coup, ceux qui sont pas trop blessés, on va réduire. Comme ça, ils vont avoir 25% de soins, 10% de soins. Eux vont être soignés de 35%. Et en plus, on va gagner un petit bonus de morale. Ce qui fera pas de mal. Hop là, c'est parti. On a 7,5% de chance de se faire attaquer. On s'est pas fait attaquer. Alors attendez, je vais... Voilà. On est un petit peu soigné. Bon, lui, il a toujours toutes ses stats réduites de 5%. Allez, faut qu'on trouve le dernier truc, là. Un petit coffre. On a reçu un bandage. Ok, c'est pas mal. Un combat. Nickel. Attention, on a été embusqué. Oh, sérieux. Ah, le drame, quoi. Du coup, il y a quand même un ennemi qui joue après nous malgré qu'on a été embusqué, ça c'est cool. Il va falloir que toi tu tankes. Ah, ils peuvent aller mais partout quoi. Bon bah go. De toute façon, Hunter Call, l'avantage c'est qu'on a personne tout seul, donc du coup c'est pas si mal. On peut atteindre personne, si je peux atteindre lui ou lui pour essayer de l'endormir, mais il y a lui qui a pas joué encore.
Il joue quand? Assez tard. Allons-y. Ça a pas l'air de marcher des masses ce truc hein. Ah mais oui non, cette channel for 5 tournes. Ah oui, donc en fait il va la lancer là. Ah oui, j'avais oublié ça. J'avais oublié ça, ok, autant pour moi. On va se mettre ici avec elle, elle sera bien placée du coup. On peut tuer celui-là, c'est parti. Voilà, comme ça au moins c'est fait. Toi tu viens là. Tu vas nous faire un conduit lightning sur celui-là, histoire de bien lui faire mal. Et toi tu vas le bloquer. Voilà. Du coup il va bouger. Mais on lui fait quand même la petite berceuse ici. Il n'est pas sorti de la zone de la berceuse. Du coup il est endormi. C'est déjà ça. Le conduit, parfait. On va aller jusqu'ici. On le cogne, ça va le réveiller. Ouais, ça va le réveiller. Très bien. On tape. On tape, on va se prendre une attaque. Sur notre tank, ça me va. Allez. Ok. Il va vraiment falloir que je réapprenne à les placements, les compétences d'ennemis et tout, parce que ça pique. Hein. Alors, on a trouvé une carte un peu déchirée qui nous donne deux points d'intérêt dans la zone. Ok, donc on a révélé ça et ça. Bon, on a bien fait de pas passer par là, c'était un piège du coup. Et on trouve le dernier truc, bien sûr, tout au fond. Alors, on se barre. Alors, Eric décédé. C'est ouf. J'adore. Alors, on a de l'équipement qui a été cassé. Ah, c'était pour ça qu'elle avait un symbole d'armure sur sa tronche. Alors, on a tous les équipements et une durabilité qui pourra éventuellement casser pendant les missions. Mais par contre ça ne se casse qu'à la fin de la mission, ça c'est bon à savoir, donc ça c'est plutôt cool. Donc dans le monde on peut utiliser différentes ressources pour réparer les équipements. Ça je me souviens que c'était pas encore implémenté, ils avaient une durabilité les équipements mais ils se cassaient pas vraiment en fait. Et du coup maintenant qu'ils se cassent, ça pique hein la vache. Il va falloir les réparer vraiment beaucoup quoi. Alors, nos outils on a pu les vendre, il me semblait qu'on les consommait mais en fait visiblement non, on doit avoir une chance de les garder. On a claqué deux bandages qu'on récupère et on a notre lance qui est cassée et notre armure qui est cassée. Bon, en même temps il est mort le mec donc forcément. Bon bah du coup on va pas enchaîner avec cette mission là. Hein. C'était une mission à un crâne. Medium durée. Ouais, je l'ai pris un petit peu par-dessus la jambe le jeu là. Donc on est fatigué en plus pour plusieurs jours, donc ouais, non, on peut pas se permettre d'enchaîner là, hein. C'est pas possible. Donc il faut qu'on retourne là. Alors, ah, il y a un event parce qu'on a perdu. On a perdu Eric, tiens. Excellent. Alors, c'est difficile d'accepter la perte d'Eric et de mettre des mots dessus. On va devoir en trouver d'autres personnes qui pourront mettre les pieds dans ses chaussures et remplir le vide. Même si je pense que personne ne le remplacera vraiment. J'ai l'impression que c'était hier que l'on partageait une boisson autour du feu, et maintenant... Eric est mort en héros! Tué à mort pour que ses copains survivent. Tué à mort, tout à fait. Ça pique. Comment dire que ça pique? Alors, du coup, on lui file
les trucs. Il devait nous donner une arme. C'est pas ma meilleure épée, mais ça vous servira bien. Oh, un luth vert. Joli. Joli, joli, joli. Alors, quand on complète un contrat, on a du renom et de la réputation. Le renom est une mesure de notre renommée, très bien. Plus ça augmente, plus on aura des contrats difficiles et on pourra avoir des meilleurs équipements et des meilleurs recrues. Ok. Et la réputation mesure notre relation avec les nobles et les cités, ok. Donc ça c'est lié aux villes et aux cités. Les points de renom peuvent être utilisés dans les... pour améliorer notre compagnie aussi. On a récupéré des épices, très bien, bah on prend bien sûr qu'on prend. Alors, on peut utiliser nos points de renom dans différents trucs. Donc alchimie, training, 20% d'XP en plus, ça c'est cool. Alchimie, on a quoi? Ok, ça c'est des encens, des encens, qu'on peut utiliser pendant les missions. Alors, plus de capacité pour les missions, c'est cool. 10% de discount. 50% de chance de moins être interrompu quand on campe. Alors... Ok, si on a un event de fortifier le donjon, on a des gros bonus. Le 100% de refund, je pense qu'il peut être rentable. Hein. Direct. Apply, ouais. Team building. L'augmenter la vitesse de gain de la loyauté. Augmenter la durabilité des objets. Réduire le coût des mercenaires. Oui, parce qu'il va falloir les payer, vos mercenaires. Hein, si vous les payez pas, ils font la gueule. Et régulièrement, ils vont vous demander, au fur et à mesure qu'ils s'améliorent, de revoir leur contrat. Augmenter le poids, ouais, horse training, vitesse de déplacement. Et ça, c'est si on veut réentraîner nos personnages. Je pense qu'on va prendre les 20% aussi. 100% de refund pour les trucs qu'on trouve, parce qu'il y a les trucs qu'on loot aussi et qui nous donnent de la thune à la fin. Alors du coup, question. On a gagné 500 sur cette quête, si on voulait recruter. Ça coûte pas tant. Bon, ils sont level 1. On n'a pas de pyrolancer, mais on pourrait prendre un gardien. Alors c'est là pour voir les personnages, ouais c'est ça. Le gardien, du soin, immobiliser une cible. Waouh, une fois par jour. Il n'entre pas dans un bleed out quand il tombe à 0. Ah oui, pour un tank, c'est hyper fort cette compétence. Lui, il est du genre content et satisfait. Ok, très bien. Et hémophiliaque. Ah, par contre, une fois qu'il est en bleed out. Ah, ça c'est pas bon, par contre. Une fois qu'il est en bleed out, il perd 2 points au lieu d'un. Du coup, ça peut aller très très vite. Déjà, on a vu que ça allait vite. Hein. J'ai à peine eu le temps d'utiliser un bandage. Je voulais utiliser un bandage pour le relever. J'ai dû rater ma comp, je pense que il serait pas mort si j'avais utilisé un bandage en fait. Et là on a quoi? Plus de chances d'embûcher les ennemis quand on scoute, ok. Elle est traîtresse. Et elle a moins 15 de morale au début quand elle démarre une quête. Ok. C'est pas cool. Pourquoi t'as lâché ton armure toi? Ah parce qu'ils sont cassés donc tu peux plus les porter, oui logique. Ça va être costaud, mais on va arrêter du coup la découverte ici. C'était un petit live, hein, je voulais faire un petit live pour le lancement. Bon, du coup, il a été encore plus court que prévu vu que le jeu a eu un petit peu de mal. Mais je vais laisser la place tranquillement à Gaelden et Morgan et je vais aller me faire un petit casse-dalle. Hein, il va être l'heure.
J'espère du coup que cette découverte vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit message, à me dire ce que vous en avez pensé si vous regardez la VOD. Si vous voulez des renvois à la VOD dans le live, dans le chat, pardon, excusez-moi. Voilà. Remarque, dans le live ça marche aussi. Faites un petit au revoir. Six cours, squash, ben oui. Malheureusement, les créneaux sont ce qu'ils sont. Mais là, en plus, j'en prenais la main sur le jeu, j'ai perdu mon personnage principal direct, c'est pas super super cool. Tiens, ici on a un petit event. Le dirigeant du coin a augmenté les patrouilles, ce qui fait qu'on va 20% plus vite que la quantité de choses à marchander est plus importante et qu'il y a plus de gardes. Plus de gardes, ça peut vouloir dire des alliés, des PNJ alliés dans les donjons maintenant. Allez, on arrête là la VOD. Merci à toutes et à toutes et à très vite pour la suite.